Donc voilà, retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier, les midi 37 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, on vous a présenté quelqu'un d'extrêmement fascinant qui me remplace à partir de lundi prochain, Aziz Fares. On change maintenant, on passe à une autre personne tout aussi intéressante, mais qui ne me remplace pas, qui est mon chroniqueur du jeudi, Mathieu Bock, côté... Et on va parler de twitterisation, de twitterature, j'allais dire de twitterapie, mais ça c'est un mauvais jeu de mots, excusez-moi. Vous savez qu'en cette fin de période scolaire, quoi de mieux que de commenter le dernier cri en matière de progrès technologique à l'école? L'utilisation de Twitter dans les classes. La technologie est certes une chose fort utile qui veut fonctionner dans notre monde moderne, pour la personne qui veut être fonctionnelle là-dedans. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de savoir si on n'est pas en train de perdre de vue le but premier de l'école qui est d'éduquer? Je suis donc en compagnie de Mathieu Bock-Côté pour discuter de cette question grave. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est votre dernière chronique avant le mois d'août. Donc dernière chronique, encore on est dans la catastrophe, ça va mal? Ah ben, le jour on sera optimiste, on nous le dit, on aurait de bonnes raisons d'être optimiste, on nous le dira. Il n'y aura plus d'émissions. Non. les gens heureux peuvent se retirer tranquilles sur une plage, ce qui n'est pas notre cas dans les circonstances. Alors, la twitterature, oui. C'est un thème qui, bon, on s'en doutait, je dirais, j'aborde cette question à la manière d'un symptôme d'une forme de dérèglement culturel de l'école. Mais d'abord, une précision sur la question de la twitterature, c'est véritablement l'utilisation de Twitter, cette espèce de média social, un des médias sociaux qui permet d'envoyer des messages, des gazouillis, dit-on, de 140 caractères dans la twittosphère. Ça veut dire deux phrases au maximum. Deux courtes phrases. Donc 140 caractères. Et plusieurs professeurs, plusieurs enseignants, le lobby des sciences d'éducation comme le lobby des nouvelles technologies proposent l'introduction de Twitter dans la salle de classe comme un nouvel instrument pédagogique pour faciliter l'apprentissage, pour démocratiser l'apprentissage et l'articuler aux nouvelles possibilités technologiques de notre époque. Mais concrètement, comment est-ce qu'il... Je suis le professeur, j'ai un élève devant moi et je lui dis... Je lui dis, fais quoi avec Twitter? On va faire une rédaction qui va se faire, par exemple, en 15 tweets. Alors, 3 tweets pour l'info, 5 pour l'introduction, 5 tweets pour la mise en place du sujet, 4 tweets pour l'argument, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser le format Twitter comme mode de réflexion, comme structure d'encadrement de la réflexion dans l'école. Et l'élève envoie le Twitter au téléphone de son prof? Non, c'est presque une nouvelle manière. Il peut le faire sur l'ordinateur, il peut presque écrire en format Twitter, c'est-à-dire avec 140 caractères. C'est une nouvelle manière, d'une certaine manière, d'écrire. Mais si ce n'était que ça, on pourrait se dire encore une de ces modes détestables, espérons qu'elle passe. Mais on peut plutôt y voir, je crois, et c'est comme ça que la question s'est posée à moi, c'est ainsi qu'elle m'intéresse, comme un symptôme de cette technolâtrie qui s'est emparée de l'école québécoise depuis un bon moment. Symptôme de cette technolâtrie, ou plutôt symptôme aussi de cet intérêt toujours plus grand porté, non plus à la question du savoir, de la connaissance, de la culture ou de l'héritage, mais une réflexion de plus en plus insistante sur les moyens d'apprentissage, sur les moyens de favoriser l'apprentissage, sur les techniques d'apprentissage, sur apprendre à apprendre, finalement, selon la classique formule des sciences de l'éducation. Et j'ai le sentiment qu'on donne d'autant plus d'importance aujourd'hui aux nouvelles technologies, comme on donne d'autant plus d'importance aux différentes techniques pédagogiques, que cette question en est venue à occulter une question beaucoup plus fondamentale, qui est celle de qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on transmet, quelle est cette culture, objectivement, quels sont les contenus de culture, pourrait-on dire, que l'école peut et doit transmettre. En fait, Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites, c'est que c'est pas qu'on place la charrue avant les bœufs, mais c'est les moyens d'apprentissage qui sont plus importants que le contenu lui-même. Ben, qui se sont substitués véritablement au contenu en tant que tel. D'accord. Et on ne peut pas comprendre, à mon avis, cette mutation de l'école, parce qu'il y a une mutation de l'école là-dedans, si on ne revient pas, en cela comme en bien des choses, à l'héritage culturel des années 70. Mm-hmm. C'est-à-dire, là, à partir des années 70, il y a une critique radicale, on pourrait même dire des années 60, mais surtout 70. Mm-hmm. Une critique radicale de l'école s'impose dans toutes les sociétés occidentales. L'école est désormais vue non plus comme le lieu de transmission culturelle par excellence, celui qui initie à l'effort, celui qui initie l'enfant à un monde qui lui précède et qui le précède et qui lui survivra. L'école doit plutôt être vue désormais comme une institution chargée de la reproduction des structures inégalitaires de la société. On voit l'école désormais comme un lieu de domination, un lieu d'aliénation. L'école est vue comme un rouage, soit du capitalisme, soit de la société bourgeoise, soit de la société hétérosexiste, et ainsi de suite. Et que diront les progressistes des années 70? Il faut que l'école serve non plus à émanciper
par la culture, mais elle doit plutôt émanciper de la culture. On regardera l'enfant non plus comme quelqu'un qui doit être socialisé vers le monde adulte, mais véritablement comme le porteur d'une créativité authentique, d'une espèce de porteur d'un projet de vie, d'individualité plus puissante et profonde, qui doit être imperméabilisé contre la société. Mais Mathieu, ça date pas des années 70, parce qu'il y avait les, vous savez, il y avait deux courants en Europe, les écoles Montessori, mm-hmm. hein, de Maria Montessori au début du siècle, et Rudolf Steiner. Oui, mais c'est que ces questions étaient longtemps tenues dans les marges, peut-on dire, de la question scolaire. C'est vrai, oui. Et c'est avec les années 70 qu'elles s'imposent à la manière d'un projet pédagogique généralisé que la critique de l'école quitte les marges pour devenir presque une nouvelle orthodoxie en matière pédagogique. Oui, oui. Donc, dans cette nouvelle vision de l'école, où on ne s'émancipe plus par la culture, mais on se libère de la culture, d'une certaine manière, il faut éviter de transmettre des contenus de culture, des connaissances, de la culture en héritage, des œuvres. Pourquoi? Parce que ça consisterait finalement à aliéner l'enfant. À aliéner l'enfant, à brider sa créativité. Que doit-on faire plutôt? On doit lui donner tous les moyens techniques d'apprendre à apprendre. C'est à ce moment, d'une certaine manière, que surgit cette idée. Désormais, l'élève doit apprendre. On ne dira plus l'élève, parce que l'élève doit s'élever. On va dire l'apprenant, et on va même dire pendant un temps le s'apprenant, pour être certain qu'il n'y a pas aucun rapport d'autorité. Le s'apprenant, s'apostrophe. Bien sûr, c'est le vocabulaire des sciences d'éducation. On ne dira plus le professeur, mais on va dire l'enseignant, le coach en créativité, bon, et toute une série de formules semblables qui relèvent du vocabulaire des sciences de l'éducation, oui. Eh bien, on ne doit plus transmettre une culture, donc on ne doit plus imposer un rapport d'autorité. Oui, il oui. n'y a plus de maître comme un élève. Oui. Il y a désormais le s'apprenant. Et que doit faire le professeur? Le professeur n'est plus un maître, il est à la rigueur un guide. Moi, on pourrait dire un gentil organisateur aussi, c'est-à-dire un géo de la pédagogie. Oui. Et quelle est sa fonction? Il doit accompagner l'élève ou l'étudiant ou le s'apprenant sur le chemin de sa propre découverte de la connaissance. Mais Mathieu, en un sens, c'est très noble. Platon ne faisait pas autrement avec la maïeutique. Oui, il y a 2500 ans. Vous avez lu le Ménon, mm-hmm. hein, le Ménon où le Socrate prend un esclave qui, soi-disant, ne sait rien du tout, et par une série de questions bien à droite, la question de base, c'est comment est-ce qu'on double comment est-ce qu'on calcule la diagonale d'un carré. Je pense, enfin, il y a la formule. Mm-hmm. Et bon, l'esclave, en principe, ne sait rien. Et Socrate lui pose plein de questions. Et en fonction du oui ou du non de l'esclave, fait comprendre à l'esclave que finalement, il avait déjà la réponse. Alors, si la question consiste à savoir si on doit solliciter l'intérêt de l'enfant ou l'attention de l'enfant dans la pédagogie, tous étaient au courant de cela. Hein? Oui. C'était pas un rapport statique, un rapport dynamique dans la pédagogie. Ah, oui. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici. Là, ce dont il est question, c'est une abolition du rapport d'autorité. C'est une abolition du rapport de transmission culturelle qui présuppose quelque chose comme une hiérarchie. Qui présuppose quelque chose comme un rapport d'autorité entre un maître et un élève. Ça, on veut le faire sauter. Ce qu'il faut faire désormais, c'est transmettre au s'apprenant, à l'apprenant, à l'élève, on ne sait plus comment le nommer, on doit transmettre à l'enfant, finalement, les moyens de faire lui-même ses propres découvertes dans le domaine des connaissances. Et de là, la question des nouvelles technologies qui vient s'insérer à la manière d'un vecteur technologique de cette nouvelle philosophie de l'éducation. Il faut lui permettre désormais d'apprivoiser tous les moyens technologiques qui lui permettront de créer son propre rapport à la connaissance, mais il ne faut plus d'aucune manière lui transmettre quelque chose comme un bagage culturel codé à partir duquel on l'évaluerait. On est un peu dans la systématisation de Robinson Crusoe, non? Parce qu'il se retrouve sur une île déserte, il doit tout réinventer. Bon, lui, il a déjà un bagage à lui, l'enfant n'en a pas beaucoup moins. On se retrouve devant une page vierge qui doit elle-même s'écrire. Ah ben voilà, c'est Alain Touraine disait dans plusieurs de ses ouvrages que au centre de l'école désormais ne doit plus être la culture mais la créativité de l'enfant. Touraine étant qui? Alain Touraine, grand sociologue français, figure éminente de la pensée 68, figure éminente de la deuxième gauche, d'une certaine manière, celui qui a le plus porté cette idée d'un tournant culturel du marxisme à partir des années 70 en France. Donc, le marxisme qui quitte véritablement la critique du capitalisme pour désormais se tourner vers la critique des formes culturelles traditionnelles. Oui. L'école en étant une. Mm-hmm. Et l'école, de ce point de vue, doit être considérée comme le laboratoire de l'émancipation. L'école n'est plus le lieu où une société, je dirais, transmet un héritage qu'elle considère valable pour le présent, le passé et l'avenir. L'école doit être considérée comme le laboratoire à partir duquel la société peut recommencer à zéro. Et il y a là-dessus aussi, si on fait le lien avec la question des nouvelles technologies, il y a aussi la question du rapport de l'école au monde actuel. Mm-hmm. C'est-à-dire,
Est-ce que l'école doit être, comme on le dit souvent, au cœur du monde ou doit-elle être en retrait du monde? Ceux qui nous disent que l'école doit être au cœur du monde nous disent finalement qu'elle doit chercher toujours à suivre les influences de la société. Elle doit courir après la société pour la rattraper en espérant finalement la dépasser, être à l'avant-garde. Mmh. Mais cette vision de l'école, imaginons que l'école parvienne à rattraper la société, on pourrait dire que l'école en viendrait au même moment à nier sa mission fondamentale qui est justement d'être en retrait de la société, en retrait de la frénésie, en retrait de l'actuel, pour permettre à l'élève de se dérober justement aux sollicitations nombreuses du quotidien et de le mettre en contact avec la culture pour en faire d'une certaine manière le contemporain de l'héritage qu'il recevra. Ben, vous connaissez l'étymologie du mot école d'ailleurs? Vous me l'apprendrez. Ça vient du grec skolé. Skolé, c'est un... Il y a quatre termes pour le temps en grec ancien. Vous avez chronos, qui veut dire le temps chronologique, les minutes, la succession, les heures et tout ça. Vous avez kairos, qui veut dire le temps opportun. Mm-hmm. J'ai lu ce livre au bon moment, c'est un livre pour moi, donc c'est le côté opportun, hein, au bon moment, le timing. La diatribe, qui veut dire l'usure du temps, c'est-à-dire le passage du temps sur, mettons, un tapis qui s'effiloche, on voit que le temps est passé dessus et on en voit la trame. Et scolès, qui est, c'est le temps inutile, c'est le temps de la contemplation, le temps gratuit, le temps qui n'est pas productif, qui a donné scolaire, qui a donné école scolastique et tout ça, ok. Et c'est le temps de où l'on se bâtit soi-même, c'est le temps d'éternité, de la contemplation, de l'otium, comme on dit en grec, de l'oisiveté. Et je crois que vous faites exactement allusion à ça. Ah ben oui, ben il faut voir. Elle est en fait inutile et improductive. Cette vision de l'école est aussi portée, par exemple, Anna Arendt, qui est une lectrice des Grecs, dans son livre La crise de la culture, propose un texte, La crise de l'éducation. Oui, c'est vrai. Et elle nous dit, c'est justement... C'est la thèse qu'elle défend. C'est justement parce que le monde doit être révolutionnaire que l'école doit être conservatrice. D'accord. C'est-à-dire, l'école doit être conservatrice. Pourquoi? Parce qu'elle se met en retrait des sollicitations permanentes du monde actuel, qui est celui de l'action perpétuelle et encore plus aujourd'hui qu'hier. Mais c'est à l'école aussi qu'il est possible, justement, d'entrer en contact avec un héritage culturel qui est on pourrait dire, qui représente les codes fondamentaux de notre civilisation. Et c'est qui doit être préservé de la productivité et de l'utilité, en fait. Oui, bah absolument. C'est de ce point de vue là qu'il y a une double menace sur l'école aujourd'hui. D'un côté, la menace de la société thérapeutique, de l'état thérapeutique, qui veut penser l'école à la manière d'une émancipation contre la culture, parce que toute la culture ancienne est pensée sous le signe de la discrimination. On regarde la société d'hier et on y voit que sexisme, racisme, homophobie, discrimination, pourquoi voudrait-on s'approprier un héritage aussi pollué? Mais elle est aussi mise à mal par la société de marchandises, la société de marché, qui voudrait arrimer l'école finalement à une pure fonction de productivité. L'école devrait fabriquer soit de bons petits consommateurs, soit ou encore de bons petits travailleurs parfaitement adaptables à toutes les exigences de l'entreprise. Mais dans ces deux cas, qui sont deux figures du progressisme, le progressisme thérapeutique ou le progressisme marchand, mais dans ces deux cas, ce qui se perd, c'est l'idée d'une épaisseur historique, c'est l'idée d'un individu qui n'est pas que consommateur, qui n'est pas non plus qu'individu, mais qui est aussi citoyen et héritier. Et de ce point de vu, je ramène la question des œuvres de la culture, c'est parce que l'école se dérobe à l'actuel qu'elle permet justement d'entrer en contact fécond avec un héritage qui est celui non seulement d'une société, mais je dirais d'une culture et d'une civilisation. C'est à l'école qu'il est possible, je dirais, de se croire contemporain pendant quelques heures, qui sait pendant quelques années, des guerres napoléoniennes. C'est à l'école qu'il est possible de découvrir la littérature, non pas sous la forme de la twitterature, mais sous la forme de l'œuvre de Balzac. C'est à l'école qu'il est possible d'être contemporain pour quelques heures de la guerre de conquête. C'est à l'école, finalement, qu'il est possible d'accéder à la conscience historique comme à la conscience culturelle. Mais lorsqu'on veut soumettre l'école au quotidien, lorsqu'on veut inscrire l'école au cœur de notre monde, eh bien, est-ce que c'est pas justement ce rapport créateur, ce rapport fécond au passé par ses œuvres qui risque de se perdre? J'en ai l'impression, et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui à travers notamment l'hégémonie des sciences de l'éducation et tout ce discours dont la twitterature n'est peut-être que là, je dirais, le dernier symptôme d'une mauvaise mode. Mathieu, je vous psychanalyse pas, mais je vous analyse dans ce que vous dites. Et il y a certains mots qui reviennent, ou des assez fondamentaux. Vous avez parlé d'autorité, hiérarchie. Vous avez parlé de Hannah Arendt, cette philosophe juive qui est morte en 70, qui était l'élève de Heidegger, n'est-ce pas? Et qui a écrit la crise de la culture, épaisseur culturelle, tout ça. Le mot autorité, Hannah Arendt a beaucoup écrit là-dessus. Vous savez d'où ça vient, étymologiquement, encore une fois? Mais encore une fois, vous me l'apprendrez. Ça vient de augere, en latin, qui vient de augmenter. Oui. Auteur, autorité, augmenter, c'est la même idée tout le temps. C'est-à-dire que
l'autorité, elle en parle dans l'Empire, l'Empire romain. Okay. Mm-hmm. Il s'agissait tout le temps d'augmenter le dépôt initial de la Fondation de Rome, mm-hmm. okay, constitué la Fondation de Rome. Et donc, chaque génération augmentait et l'autorité, c'est-à-dire celui, le patron, l'empereur, enfin le consul, je ne sais pas qui, était là pour augmenter la société. C'était ça le fondement de l'autorité. J'ai l'impression que vous dites la même chose, mais dans des termes différents. Oui, je reprendrai d'ailleurs une belle formule du philosophe français Alain Finkielkraut qui dit « On ne pense pas par soi-même de soi-même ». Ah, moi, c'est une formule là-dessus. La première fois que j'ai lu cette formule dans l'Ingratitude, c'est une lecture de mes 18 ans. Lorsque j'ai lu l'Ingratitude, il y a cette formule merveilleuse, on ne pense pas par soi-même de soi-même, on pense par soi-même par le détour des œuvres, par le détour de la culture, par le détour de la méditation historique, par le détour de la littérature, par le détour de la philosophie. Et on n'est pas apprenant. Voilà, et à travers cet apprentissage, ce passage par les œuvres, vient au terme la possibilité de penser par soi-même et de se dérober surtout à cette idée néfaste qui consiste à croire qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans, on est porteur d'une originalité si forte qu'elle doit se dérober à toutes les normes sociales, qu'elle doit se dérober à tous les codes de la culture. Et quelle est la fonction de l'autorité ici? L'autorité est un appel à la modestie d'une certaine manière. L'autorité dans les circonstances, à l'école, dit « tu ne sais pas encore ». Encore. Écoute, tu n'es pas l'égal de la personne qui est devant toi, qui est ton maître, et ton maître est là pour t'évaluer. Ton maître n'est pas ton ami, ton maître n'est pas là pour t'accompagner sur le chemin de la connaissance. Il y a un rapport d'autorité, de hiérarchie qui se pose ici. Une hiérarchie fondée sur quoi à l'école? Eh bien, une hiérarchie fondée justement sur la possession d'un savoir qui est prêté au maître. Et de ce point de vue, il me semble que c'est justement cette belle notion d'autorité, notion si fondatrice et pourtant si étrangère à la civilisation démocratique. C'est-à-dire, il nous faut être capable de repenser dans les termes de la civilisation démocratique des lieux où l'autorité peut se fonder sur une autre norme que le consentement. Et un de ces lieux, ça m'apparaît évident, c'est l'école. Deux autres mots, Mathieu Bourcotet, que vous utilisez, donc hiérarchie et origine. Être original, ça veut pas dire être unique, c'est se rapporter à l'origine, en fait. Oui, mais si on accepte le terme contemporain dans sa formulation contemporaine, oui, ça, c'est autre chose. La prétention à l'originalité, c'est la prétention, qui d'ailleurs vient avec le discours sur la créativité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que je suis si exceptionnel. Mm-hmm. Que la société n'a rien à m'apprendre, que les autres n'ont rien à m'apprendre, que je n'ai pas à me soumettre à la culture pour mieux penser. D'ailleurs, c'est une formule qui revient souvent dans le discours publicitaire aujourd'hui, pas publicitaire au sens de la publicité. Soyez-vous-même. Mais lorsqu'on nous dit souvent, on voit ça même chez certains étudiants, je ne veux pas citer des auteurs, je veux dire ce que je pense moi. Alors là, quelle ignorance remarquable! Parce que qu'est-ce qui arrive si on ne veut pas citer les auteurs? On veut dire que, on est tout simplement ignorant des influences qui nous traversent. Mm-hmm. Or, on doit d'abord être conscient de ces influences qui nous traversent pour être capable de les expliciter et à partir de là, en faire quelque chose et prendre même nos distances par rapport à ces influences pour peut-être élaborer quelque chose comme une pensée originale. Des influences, Mathieu Bocoté, qui nous traversent et donc l'autorité aussi. Le professeur, lui, ne possède pas la connaissance. Elle le traverse aussi et il transmet. En fait, non, mais il n'est pas le point initial de quelque chose. Non, mais il est néanmoins une figure supérieure dans l'école. Mais dans une lignée. Oui, bien évidemment, c'est l'héritier. La figure du professeur, disons que c'est l'héritier conscient de son héritage et qui a fait un tri, qui a fait, je veux dire, son droit et son devoir d'inventaire dans l'héritage et qui sait désormais quoi transmettre. Ce qui nous rappelle d'ailleurs, je dirais que malgré la philosophie du ministère de l'Éducation qui fonctionne au grand programme homogène, au grand programme technicisé, grand programme technocratique à l'école, bien chaque professeur est porteur de son propre rapport au savoir. Mais j'en reviens donc à partir de cette idée, à cet événement d'actualité, c'est-à-dire l'émergence de la twitterature à l'école. Est-ce que cette école qui décide de se mettre perpétuellement à la recherche de l'actuel, est-ce que cette école qui, par exemple, on a entendu ce discours souvent, la twitterature permet de ramener le plaisir dans les devoirs, ça permet de se délivrer de l'effort, ça permet de se délivrer d'une société trop contraignante dans son rapport à la connaissance. Sans contrainte, ça te plaisir. Eh bien, mais voilà, est-ce que cette espèce de vision hédoniste, pour ne pas dire touristique, de l'école, est-ce qu'elle ne risque pas de perdre jusqu'à son sens premier? Et poussons ça plus loin. Le plus fascinant des exotismes est très certainement celui de la connaissance. Mais c'est un exotisme qui a son prix. C'est-à-dire qu'on ne peut, c'est une formule du philosophe Alain qui disait, à l'école, on doit d'abord faire ses gammes. Et c'est désagréable de faire ses gammes. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime de commencer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas déjà. Hein? Sortir de l'affect, sortir de l'instinct, entrer en contact avec la culture, c'est pénible quelquefois. La logique de l'effort est difficile. Eh bien, est-ce que l'école est encore capable aujourd'hui de se penser comme un lieu à l'abri de la société
société, à l'abri de cette société des pulsions, à l'abri de cette société de la consommation en tous les sens du terme, à l'abri de cette société de l'émancipation de tout par rapport à tout, est-ce que l'école est capable de se penser en retrait de l'égalitarisme radical? Est-ce qu'elle est capable de se penser justement comme le lieu, le dépôt d'une civilisation, le dépôt d'une culture à transmettre? Est-ce que l'école ne pourrait pas d'une certaine manière être le lieu à partir duquel nous reconstruisons un rapport fécond à l'autorité dans la civilisation démocratique? De ce point de vue, l'école doit justement penser non pas son opposition à la société démocratique, mais elle doit penser sa distance avec la société démocratique. Est-ce que la condition, de ce point de vue, d'une société démocratique qui ne s'épuise pas dans le présentisme, ça ne serait pas une école qui accepte de jouer le jeu de la démocratie sans jamais s'y fondre? Et pour boucler la boucle, Mathieu, je voulais vous pluguer mon dernière étymologie, si vous me permettez, pluguer enfin d'ailleurs. Hiérarchie, ça vient du grec, hieros archein, qui veut dire la gestion du sacré. L'autorité, c'est la même chose, le sacerdoce, c'est la même chose. Vous avez le professeur, le maître, qui lui représente l'origine, le sacré, ce qui vient avant le dépôt de la civilisation, comme vous dites, et qui le transmet à l'élève. Mais c'est ça la hiérarchie, en fait. L'hiérarchie, c'est pas quelqu'un qui écrase un autre. Mais je dirais comme tous les conservateurs qui se respectent, j'aime les idées de gauche d'avant-hier. Pas celles d'aujourd'hui, mais celles d'avant-hier. Et de ce point de vue, pourquoi pas hier? Oh, c'est trop récent. C'est trop récent. Mais la plus belle des écoles, la plus belle des représentations de l'école, est-ce que c'est pas, ça ne meurt pas celle de la Troisième République? Celle de la Troisième République la en française, France. La française, hein? Bien sûr, certainement. Qui pense justement le rapport au maître, qui voit l'école à la fois, et c'est, qui voit la portée émancipatrice du savoir, mais qui comprend que pour que le savoir devienne porteur d'émancipation, que pour le savoir soit porteur de libération, je dirais presque que la créativité du savoir soit possible, il faut d'abord traverser les sociétés passées, il faut être familier avec elles, il faut quelquefois en être un peu le contemporain, ne serait-ce que pour se voir justement l'héritier, non pas de ce qu'il y a de valable seulement dans le monde actuel, mais de voir comment la société d'aujourd'hui est le fruit d'un long travail et qu'il y a devoir d'inventaire, mais il y a aussi droit d'héritage. Peut-être est-ce que c'est ce type de notion avec lesquelles l'école devrait se réconcilier aujourd'hui. Si elle le fait, elle parviendra aussi à se soustraire à l'hégémonie des sciences de l'éducation et de cette philosophie du pédagogisme égalitaire radical qui, depuis 30 ans, depuis 40 ans, a saboté l'école en pensant la transformer. Mathieu Bocoté, c'est tout le temps qui nous reste. Merci infiniment. Je suis sûr qu'on va avoir des gens qui vont nous appeler à la radio pour protester ou pour dire qu'ils sont d'accord l'un ou l'autre. En tout cas, le débat est assez chaud. Bon mois de juillet. Vous de même. On se retrouve en août. Très certainement. Parfait. Alors, merci beaucoup Mathieu Bocoté. Merci à Guy Lafrance à la technique. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut bien amical. Vous donne rendez-vous demain à midi. Comme toujours, nous fêterons la fête du Canada ou pour les autres, la fête du déménagement. Au revoir.